Now we are two of us here, but I would like to tell you the truth. The country is bad. Right. The country is very, very bad. Right. Let me tell you, I'm afraid. Really, I'm afraid. Let me tell you, I'm afraid. I don't care about politics. What is politics belongs to politicians. But they say when you don't go to the politics, he will come to you. En tant que Camerounais, citoyen de ce pays, aimant son pays, j'ai un devoir vis-à-vis de lui. J'ai un devoir de contribuer à son développement. Je me suis refusé à servir la victoire sur un plateau en or à des gens qui ne rêvaient soit qu'à me tuer pour que je n'existe plus, soit qu'à me voir partir. Le Cameroun, vaste pays de l'Afrique centrale coincé entre le Nigeria et le Gabon. 16 millions d'habitants. Nous atterrissons sur Douala, la capitale économique du pays. À l'instar de nombreuses autres villes d'Afrique, Douala est trépidante, sale, défoncée et bruyante. Mais derrière ces éclats de voix se cache une véritable incapacité de s'exprimer sur des sujets nationaux. Liberté d'expression est un mot encore absent au Cameroun. Pour avoir dénoncé cet état de fait, certains l'ont payé un prix fort. On se bat contre ces forces-là à armes tout à fait inégales. Mais je crois que si on perd un peu espoir, si on perd espoir un seul instant, ce serait dommage pour le pays. Pius Ndjaoué. Sans conteste, le nom le plus connu, le plus respecté de la presse camerounaise. Ça va ? La voix la plus libre aussi. Nous décidons de partir vers la pointe nord du pays, dans la partie musulmane du Cameroun, contrairement aux deux grandes villes du sud, Yaoundé et Douala, qui sont surtout chrétiennes ou animistes. Malgré une saison de pluie cette année un peu plus généreuse, le paysage ici reste aride, la vie rude et les gens extrêmement pauvres. Nous sommes à Maroua, à quelques kilomètres de la frontière du Tchad voisin. C'est un territoire oublié du président et des hautes autorités du pays qui bénéficie malgré tout d'un appui indéfectible de la population. Le secret de ce paradoxe, c'est qu'avec l'argent et des cadeaux, le président Biya réussit à se payer l'appui des autorités coutumières. Le Lamido, le chef traditionnel régional, est la personne la plus influente, bien que son rôle politique réel dans les structures modernes soit surtout folklorique et symbolique. Il est plus écouté que les élus. Et quand il invite son peuple à rejoindre le président, peu de contestations sont envisageables. Nous sommes dans une région relativement féodale, n'est-ce pas ? Où vous avez des chefs de clan, vous avez automatiquement le gros de la troupe a tendance à suivre les chefs de clan, à suivre les dignitaires. Donc le coup de génie du président, ça a été de se servir du pouvoir traditionnel pour asseoir encore plus son pouvoir. Ça, c'est un constat qu'on est obligé de faire pour tout le Cameroun.